Comment tu as réagi quand tu as su que Amitié Bizarre était sorti et que c'était en griffe, on va dire ça comme ça, une copie de ce que tu avais déjà fait sortir en octobre? Alors moi, j'étais là tranquillement et je commençais à recevoir des captures, parce que c'est vrai que c'est maintenant que je fais mes premiers pas dans le showbiz ivoirien en tant qu'artiste confirmé, mais j'étais quand même dans les piano bars et dans les cabarets, ça fait plus de 10 ans. Donc j'ai quand même un peu de personnes aussi qui me suivent. Et après, j'ai quand même fait 14 radios ivoiriennes pour la promotion de cette chanson. Ok. Et donc, pas mal de personnes connaissaient déjà la chanson, même si la chanson n'avait pas encore pris des proportions, mais pas mal de personnes quand même connaissaient la chanson. Et dès que ces personnes-là ont vu la cover de Daisy, parce que vous savez que les mêmes abonnés qui sont sur la page de X sont sur la même page de Y. Mmh. Donc, dès que les personnes ont vu la cover de Daisy ainsi que le bout de sa chanson, ils ont tout de suite commencé à réagir. J'ai reçu pas mal de captures, pas mal de trucs. Mais même des gens sont partis écrire sur son mur là-bas et ils m'ont tagué. Et moi-même, je suis partie écrire sur sa page. En ce moment, elle n'avait pas encore fait sortir la chanson. D'accord. Elle n'avait pas encore fait sortir la chanson. Moi, je suis partie sur sa page. J'ai même encore mis le lien de, comment dirais-je ça, de mon teaser. Oui. Et puis, j'ai aussi mis à MP à chanter Amitié Bizarre. C'est comme ça, les gens sont au... Donc, je me suis arrêtée à là. MP. Okay. MP. De toi à moi, oui. Avec la caméra. Oui. Tu penses vraiment avoir été plagiée? Je n'utiliserai pas le mot plagiat. D'accord. Je pense que la chanson Amitié Bizarre est un découlé de la chanson qui était dedans. Mmh. Donc, tu lui reproches d'avoir utilisé le refrain de ta chanson pour faire son titre à elle. Oui, le refrain de ma chanson pour faire et son titre et son refrain. Parce que ce que moi je me dis, le thème Amitié a été déjà chanté de mille et une manières possibles. Chacun vient avec, tu dis, on vend le concept, c'est ce qu'on vend aux gens. Sinon, les thèmes que nous chantons là, l'amour, l'amitié, ça a déjà existé. Mm-hmm. X est passé hier, X a chanté pareil, demain Y vient, il chante pareil. Mm. Mais dans d'autres thèmes. Moi, ce que j'aimerais demander, c'est que tu as écouté les deux chansons, tu t'es rendu compte qu'il y avait, similitude. Est-ce que tu entres en contact avec son staff managérial, son équipe, pour essayer de régler cette affaire? Rentrer en contact avec son équipe, d'abord, je n'ai pas leur numéro. Mm. De deux, quand une, deux, trois, quatre, cinq personnes, 10 personnes viennent sur ton mur pour se plaindre de quelque chose, toi qui es l'artiste concerné, je veux dire que tu as plus de connaissances dans la chose, tu as plus de matière et on a des personnes en commun qu'on connaît. Elle et moi, on a des personnes en commun qu'on connaît. Avec qui? Daisy elle-même? Non. Non, pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. Je viens d'arriver. Je suis toute petite. Chacun de nous ici, là, on a peur d'être frustré inutilement. Deux, trois, quatre, cinq personnes, plus de 10 personnes même, sont rentrées en contact. Parce que je ne suis pas paranoïaque pour venir dire quelque chose qui n'existe pas. Et les personnes qui ont vu, qui sont rentrées en contact avec moi, à Poutou qui a fait direct, et puis toutes ces personnes, ah, mais je pensais que c'était la chanson des deux, ce n'est pas des personnes qui sont... Donc, on est parti sur son mur, les gens sont partis écrire, mais ah, cette chanson-là, il y a une artiste MP qui a chanté, on m'a même tagué. Elle qui est la grande, qui est accusée. Elle avait les possibilités, et même plus facilement, d'entrer en contact avec moi, plutôt que l'inverse. Mais l'inverse n'aurait rien changé, ça ne t'aurait pas tué non plus. D'autant plus que tu dis que tu es... Et c'est comme toi qui réclame la paternité aussi de la chanson. Ça ne m'aurait pas tué, mais je ne connais pas la réaction de l'autre. Et je ne veux pas prendre le risque aussi de me faire abrouer. Dans tous les cas, puisque toi, tu n'as pas essayé, nous, on a essayé de joindre Daisy. Mm-hmm. Oui, on a essayé. Oh, on l'a eu au téléphone. Malheureusement, elle a souhaité ne pas vouloir se prononcer sur le sujet. Cependant, elle a dit, si l'occasion se présente et qu'on l'invite sur ce plateau, elle pourra, elle également, et volontiers se prononcer sur les différentes questions et donner son avis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera fait ultérieurement. Mais le temps de l'avoir, pour équilibrer l'information, on s'en tient à ce que tu dis. Voilà.